Bonjour à tous, Sawadikap comme on dit en thaïlandais. Vous êtes au 13 rue de Rouen, au Petit Phuket. Moi, je suis Seth Gecko, un rappeur entrepreneur. J'ai ouvert ce restaurant-là il y a 2 ans et j'ai vécu moi-même 10 ans en Thaïlande. Donc, je suis revenu de là-bas avec de très bonnes recettes. Aujourd'hui, pour détourner un plat que j'aime particulièrement, qui s'appelle le lap kai, qui est un poulet haché menu au couteau. C'est citronné, c'est frais, ça fait office de salade. Et on va mettre dedans le chou de pontoise et la pomme de pontoise. Ça va bien aller, c'est croquant, c'est acidulé. Ça se mange en entrée et je pense que ça peut faire un combo super. Je vous invite à regarder comment ça se passe. Alors, on va commencer par le poulet. Le poulet, on va faire hacher. Et ça, c'est du riz collant. Il faut sauter à la pointe pour préparer en avance. Et le petit piment, mais pour les Français, c'est un petit peu trop piquant. Et ça, c'est juste le légume pour ça donne le goût. Décoration, même le pomme aussi, c'est pour décoration, on va mettre au-dessus. Et ça, c'est ciboulette et le citron. Et ça, c'est la sauce de lap kai. Le plat aujourd'hui, on va faire, ça s'appelle le lap kai en fait. Et on va commencer à faire le haché de poulet. Voilà, on va faire couper en petits morceaux. Et comme ça, on va mettre dans le poêle. Ça se passe bien, ça? Oui, très bien. Pour l'instant, tu as déjà haché menu le poulet. Donc, comme je vous disais, voilà. C'est presque réduit en miettes. C'est de la miette de poulet, presque. Mm-hmm. Là, c'est de l'oignon. Échalote. Ok. Je vais couper échalote en petits morceaux. En petits morceaux. Donc, voilà, il y a de la mangue, du chou, du concombre. Et beaucoup dans la nourriture thaïlandaise, on met des légumes croquants parce que c'est pour étouffer les épices qu'il peut y avoir. Donc le concombre, ça éteint un peu le feu dans la bouche. Donc on trouve ça souvent tout autour de l'assiette, soit des fois des haricots verts aussi. Et là, on confectionne la sauce, c'est ça? Oui. D'accord. Ça, allez, c'est ça, du riz collant. Du riz collant qui a été grillé. Oui, voilà, okay. À la poêle. Donc ça, ça donne un petit aspect croquant comme ça, grillé. Oui. Donc c'est du riz gluant qui a été grillé, comme on pourrait faire avec... Et le piment, ouais, tu peux en mettre. Un petit peu. Allez, soyons... Parce que ça pique. Il y a du concombre pour éteindre, et il y a le chou aussi qui va permettre de... Oui. Et voilà. Ça, c'est la sauce. C'est la sauce dans du la poisson. Sauce, c'est y a ça, la sauce de poisson, de celle-ci. Poisson, mm-hmm. De citron et du sucre. Du sucre, d'accord. C'est nam pla, c'est ça? Mm-hmm. C'est de l'eau de poisson, voilà. Ça c'est une sauce qui est très récurrente dans les plats thaïlandais. Ça peut s'apparenter à du ngoc mam un petit peu pour les gens qui veulent savoir. Ça sent fort, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est comme par exemple un thaïlandais qui découvre le fromage français, il va trouver ça que ça sent très fort, mais au goût, ça n'a pas forcément le goût de l'odeur. Non, là c'est pareil, ça sent fort, mais... comme la sauce pour Nem, hein, mais dans la bouche, c'est très très bon. Donc c'est un plat qui c'est une entrée, ça, en fait, le lap kai. Le lap kai, c'est, oui. C'est une entrée. Hein. Les deux, on peut dire les deux, aussi, oui. Avec un accompagnement de riz blanc. Ok. Voilà, j'ai mélangé avec... Voilà, ça, c'est des pousses d'oignons, c'est ça? De la jeune ciboulette. Ciboulette, voilà. Ciboulette. Cive. Citron vert.
Si vous avez déjà mis du citron vert dans le... Oui, okay. Ça c'est pour rajouter si... En décoration, au cas où c'est pas assez oui, citronné. Voilà. Voilà. Et là, ça touche. Il y a beaucoup de chips en Thaïlande qui ont le goût du lap kai. Mm. Je vais retrouver ça. Ça, c'est une poudre qu'on peut acheter dans les supermarchés là-bas. C'est plus facile à cuisiner. Mais nous, on ne fait qu'avec des produits frais. Et on a été ce matin au hall de Pontoise aller chercher du chou de Pontoise et de la pomme de Pontoise. Et voilà. Voilà. Si vous voulez plus de piment, il faut... Aller chercher directement. Oui, voilà, voilà. Et couper en petits morceaux. En Thaïlande, on a mangé très piquant. Très piquant. Très piquant. Et y a, là, l'autre piment que nous avons utilisé, c'est le spicy pounder. Donc voilà, chaque plat a son piment bien différent. Donc ça, c'est de la poudre. Et moi, c'est plus avec ce piment en poudre. Ça, c'est plus chili. Ça pique c'est plus que... Non, ah ouais, hein. plus. Bah, c'est avec celui-là que je vais déguster ce plat. Et la pomme intervient à quel moment? Alors, on la coupe en deux, cette petite pomme aussi. On allait oublier de mettre de la pomme. Oui, on va. Parce que c'est un peu le concept de l'émission aujourd'hui. Ça c'est pour la fin. Ah, d'accord. On va tous faire le. D'accord. Correction. Moi, j'aurais aimé qu'on plat. Mette des petits dés quand même dedans, là-dedans. D'accord. Allez, on essaye. De toute façon, c'est moi le cobaye aujourd'hui. Hein. Mais je suis sûr que ça va être bon. C'est facile de rajouter du chou et de la pomme dans une salade thaïlandaise. Ça se marie bien. Ça, c'est le petit plus périglioni, la petite touche pontoisienne. On s'y plaît bien à Pontoise, hein. Mm. Hein, c'est bien ici, hein. Elle est belle la ville. Hein. Oui. Tu connaissais déjà avant de venir travailler pour nous? Pas beaucoup, oui. Ouais. Tu as découvert en venant bosser ici. Mm. Et puis, il y a des petits coins sympas, tu as vu? Oui. Il y a la belle église et il y a le... Comment on dit? Les petites rues piétonnes. Oui, les... voilà. C'est très beau, hein. Tu vas boire des petits coups de temps en temps, je te vois. Oui. Après le boulot, bien sûr. Oui. Donc voilà, notre petite salade assaisonnée est bientôt finie. On va faire cuire le poulet. Parce que c'est ça dans lap kai. Kai, c'est poulet. Et lap, ça veut dire couper en petits morceaux. Lap. Lap, c'est comme le mix. Lap, et lap, c'est plutôt en chez moi, là, en nord-est. Oui, en Isan. Voilà. Normalement. Bopeniendo. Bopeniendo. Voilà. Oui. Alors, qui veut dire quoi, lap? Lap, ça veut dire comme mix, quoi. Mix. Okay. Mix. Bon, voilà. Ça ne nous en dit pas plus sur la recette, mais là, il n'y a plus qu'à aller faire cuire ce poulet. Oui, et voilà. Et le mélanger à cette petite salade. Mm. Ça va être servi dans une belle feuille de chou qui servira de récipient, comme plein de fois en Thaïlande aussi, voilà, c'est récurrent. Ça va servir d'un bol en fait. Et on va faire un riz blanc avec pour accompagner. Oui, voilà, voilà, on va faire cuire des poulets. Deux, trois minutes avec l'eau chaude. Je veux le petit bol parce que pour prendre le jus de poulet aussi, pour ça coupe un peu avec la sauce. Il faut le coup le poulet. Et voilà, on va mettre le poulet qu'on a fait hacher avec un tout petit peu de la soupe de poulet. Et après, on mélange. Moi, je vais rajouter un petit peu plus de citron. Et on va poser dans un petit feuille de chou.
Et je rajoute petite pomme. Un petit peu plus de ciboulette. Et la petite feuille de décoration. Voilà le plat lapkai. Voilà, recette terminée. Je vous invite à reproduire la recette et nous envoyer sur les réseaux votre lapkai au chou et à la pomme. Je vais vous laisser, moi je vais déguster ce plat que Somm a fait avec amour. Ça se passe uniquement au Petit Phuket, 13 rue de Rouen. Et bon appétit à tous. Incroyable. Oh my Bouddha, comme on dit en Thaïlande.